Voici pour vous souhaiter la bienvenue cette brioche au lamier, qui est une plante de la famille de l'ortie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Nous, ça va, vous, alors? Ben, félicitations, on vous a suivi à l'étoile. Ouais, un petit peu. J'avais pas de doute, mais... C'est vrai. Vous allez commencer ici avec quelques mises en bouche. Vous avez donc une tartelette accompagnée d'une mousse de crevettes bleues du Lysacois, concombre et afaranga. Au milieu, vous avez un pain soufflé avec un crémeux d'asperges blanches et fromage de la ferme du Cros du Merle. Et enfin, vous avez de l'encorné farci accompagné d'un condiment chou-fleur et curcuma. Bonne dégustation. Je vous laisse ici donc de beurre pour accompagner votre repas. Le plus clair est légèrement citronné, le second est aux algues. Donc ici on va retrouver l'huître 00 accompagnée du veau légèrement fumé, laitue grillée et on finit sur un jus iodé et citron cédrat. Bonne dégustation. On va retrouver ici l'aile dorée. Elle est pochée dans un court bouillon infusé à la baie des dunes. Asperges vertes chambord et sabayon d'œuf de poisson. Bonne dégustation. Ça sent bien tes petites pipettes là. Ouais. Oui, pour faire quelque chose de fin. C'est pratique. Ça s'est quand même vachement amélioré au niveau des matériels. Hein. C'est... Ouais, bah ouais. Il y a des progrès. Ouais, parce qu'avant, souvent, pour faire les pipettes, on prenait du truc médical. Bah oui, en vrai, il n'y avait pas trop de choses. Ouais. On poursuit ici du coup avec la langoustine accompagnée du navet d'aïcon en aigre douce. On retrouve également du coup le citron caviar, condiment chiseau et on finit ici avec la bisque de tête. Bonne dégustation ici. Donc on va retrouver ici le maigre de ligne cuit à la baie de Tasmanie, accompagné du chou petsai, condiment échalote et vin blanc et on finit sur un jus de poisson légèrement iodé et citron yuzu. L'idée de ce plat c'est de retrouver un peu l'univers d'un beurre nantais en mélangeant la sauce avec le condiment échalote. Bonne dégustation. Des ours. Oui.
poursuite avec la joue de cochon braisée à la baie de Jamaïque. On retrouve l'ablette. Le vert, donc juste saisi sur la plancha, le blanc est travaillé avec le pied de cochon. Donc, dans la préparation en croûte, condiment, oignon rouge et campari. Et on finit avec un jus à l'ail noir. Donc on va retrouver ici donc, le petit merlot, le fromage du Croc du Mer, sous forme onctueuse et du coup la version affinée qui a été râpée par-dessus. On a un miel du coup local, sarrasin soufflé et un sorbet végétal. Comme ça on est en pays de connaissance. Bonjour. Et ben, on se retrouve. C'est un soufflé miel fromage blanc. Ah d'accord. Pollen, voilà. C'est une poudre baie de batak et algues de nori. C'est ça déjà, ah oui, donc c'est un mélange des baies de batak, ouais. Là, on va faire un petit dessert au chocolat en plus pour vous le découvrir parce que je pense qu'il est vraiment intéressant. Ouais, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu les taux de bois, mais je me suis senti plus légitime sur le fait de travailler. La salinité et l'iode sur le dessert. C'était un truc sur les algues et les verjus, c'était chouette aussi. Citron, algues et verjus, c'était pas mal. Et il est doué, hein, ce pâtissier. Ah, pas la rue. Après, il a fait des belles maisons aussi. Ouais. Je veux dire qu'il n'y a pas de secret. Hein. Les autodidactes qui arrivent à percer, franchement, il y a manqué quelque chose. Oui, ouais, c'est sûr. Du coup, on poursuit ici avec le miel de Julie. On retrouve du coup à l'intérieur de la meringue une panna cotta au pollen, l'espuma du coup sur le miel et le fromage blanc, sorbet fromage blanc et on finit ici sur un lait infusé au miel et teint citron. On va essayer de casser un petit peu la note de sucrosité en fait de la meringue par le biais de ce jus qui va aussi rappeler un peu des notes de grog mais en version froide. Bonne dégustation. Le chef en fait souhaitait vous faire découvrir son dessert de l'autre menu. Là, il a choisi de travailler le chocolat Alunga, c'est un chocolat lacté qui nous vient de la maison Barry. Et il l'a accompagné également d'un travail autour des algues et notamment sur le dessus un sorbet à la laitue de mer. Parti. Donc pour terminer, vous avez ici quelques mini arguises. Sur votre droite, vous avez un cookie accompagné d'un crémeux d'asperges vertes et praliné noisette. Au milieu, vous avez un biscuit au thé matcha avec une mousse verveine citron et des éclats d'amandes sur le dessus. Et enfin, vous avez cette revisite de la fameuse barquette, ici retravaillée sous forme de sablé breton avec ce caramel au beurre salé. Belle fin de repas.